Et yo, bien le bonjour, de bonsoir, c'est Traclass et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Hogwarts Legacy. Et donc dans l'épisode dernier, nous avons aidé Natsai, Nati comme on l'appelle, à réunir des preuves contre Harlow et les Serpents Cendres. Et puis bah, on s'était laissé là après avoir fouillé un petit peu à Pré-au-Lard à la recherche de quelques demi-guises, mais on n'a pas trouvé de beaucoup de demi-guises, mais on en a quand même trouvé un petit peu, donc c'est déjà ça. Enfin bref, pour cet épisode, nous allons cette fois-ci rejoindre Poppy dans la forêt interdite afin d'encore sauver des animaux. Je crois que c'était des vivets, il me semble qu'elle parlait de vivets ou de quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, la forêt interdite n'est pas loin, donc on va y aller en volant. Et puis on verra bien ce qu'elle nous réserve, tout simplement. Voilà un peu le programme pour aujourd'hui. C'est parti, let's go to Poppy dans la forêt interdite, en fait. C'est Serais-je super en Poppy. sécurité si j'explore cet endroit? Ai-je déjà exploré cet endroit? Comment s'appelle cet endroit? Et où suis-je? Grotte? De la collectionneuse. Oui, j'ai déjà fouillé cet endroit, donc on s'en fiche un petit peu en fait. Bon bah let's go, on va juste rejoindre Poppy, hein. De toute façon par là on commence à avoir pas mal fouillé aussi en vrai. On va se le cacher. Ah oui, elle voulait pas demander l'aide au centaure, elle. Je crois qu'il y avait un délire comme ça, hein. Qu'elle voulait qu'on demande de l'aide au centaure. Salut! Je peux y arriver, j'en suis sûre. Je ne serai pas seule. Bah non, t'es pas seule, il y a moi. Je suis là, regarde. C'est ici qu'on a rendez-vous avec les centaures? Oui, c'est ça, Eh on bien, demandait de ils ne l'aide au sont pas centaure. vraiment au courant de notre arrivée. Alors c'est plus une surprise qu'un rendez-vous? Je sais pas s'ils comprendront. Bon, ils comprendront peut-être. En vrai, parce que les centaures, ils m'ont vraiment pas l'air bêtes. Par contre, ils risquent aussi de pas trop apprécier, je pense. J'ai des doutes sur tout ça. Je ne pense pas qu'ils apprécieront d'être pris par surprise. Nous n'avons pas le choix si nous voulons aider les vivets. Peut-être qu'ils verront que nous sommes sincères. Ils ont toujours l'air de savoir tant de choses. C'en est presque troublant. Oui, c'est vrai, les vivets, c'est ce qui remplaçait. Enfin, c'est ce qui a remplacé les vives d'or. Avant, on jouait les matchs de Quidditch avec les vivets. Comme c'est ça. Alors, les centaures sont censés être sages. Les centaures n'en savent pas plus que les autres. Ils sont censés être sages. C'est vrai qu'ils sont connus pour bien leur censés. supposée omniscience. J'appuie dessus. C'est le mot que je cherchais. C'est juste que... Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien, vraiment. Je n'ai... Nous n'avons rien à cacher. En parlant de secret, je voulais te dire pourquoi Victor Rockwood est à mes trousses. Il est de mèche avec Ranrock. Et Ranrock veut quelque chose que j'ai trouvé à Gringotts. Fig avait un porte au loin qui nous a transportés là-bas après l'attaque. C'est une longue histoire, mais Fig m'a demandé de ne pas en parler. Oh, alors cela explique certainement ce que nous avons vu au Hall Magyar. Bien sûr, je garderai ton secret précieusement. Même les centaures n'en sauront rien. Nous devrons simplement leur dire honnêtement nos intentions. Ils n'auront pas d'autre choix que de nous aider, pas vrai? Oui, bien sûr. Tu as parfaitement raison. Nous allons tout leur raconter au sujet des vivets, et je suis sûre que tout va bien. J'ai l'impression que tout ne se passe pas si bien que ça. Effectivement. Venez-vous faire par ici? S'il vous plaît, nous espérions vous parler des... Ah! Tu veux pouvoir raconter à tes amis que tu as parlé à un centaure et que la bête t'a répondu? Non, pas du tout! Nous venons pour vous demander de l'aide! Ça suffit! T'aventurer sur ces terres était une grave erreur, petite sorcière. Laisse-les tranquilles, Elec. Nous n'agressons pas les jeunes. Ce n'est pas dans nos coutumes. Reste à ta place, vieux fou. C'est moi qui mène ce troupeau.
Et pendant que tu t'accroches à nos coutumes, leur espèce n'hésite pas à massacrer les créatures comme nous. D'après ce que je vois, nul n'a été massacré. Nous les laisserons partir sans dommage. Écoute-moi bien, Doran. Si je les revois un jour, j'aurai votre tête à tous les trois. Oh. Quelle inconscience. Savez-vous ce qu'il arrive aux sorciers qui viennent ici? Bon. Suivez-moi avant que... Les vivets dorés existent encore, et les braconniers les traquent. Ils savent que le clair de lune est la clé pour les trouver, mais ils ignorent ce que cela implique pour l'instant. S'il vous plaît, aidez-nous à trouver les vivets avant les braconniers. Est-ce possible? Au sud se trouve une grotte qui contient ce que cherchent les braconniers. Une pierre de lune. Récupérez-la et placez-la dans le cromlech de la forêt. Pour ma part, je dois aller parler au troupeau. Venez me voir quand vous aurez terminé. Je ne comprends pas. Donc, le clair de lune mentionné dans le journal ne fait pas référence à la lumière de la lune, mais à une pierre de lune? Qu'est-ce que les pierres de lune ont à voir avec les vivets? Et puis, comment savait-il exactement où on pourrait en trouver une? Ils sont beaucoup trop stylés, les centaures, j'ai kiffé trop. Je lui fais confiance, les centaures savent beaucoup de choses. Ils étaient très énigmatiques. Les pierres de lune sont plutôt ordinaires, non? Les pierres de lune ne sont pas rares. Pourquoi aller en récupérer dans une grotte? Connaissant les centaures, je suppose qu'il s'agit d'une pierre de lune spéciale. On la reconnaîtra sûrement quand on la verra. Ok. Ils sont très énigmatiques, oui, mais en même temps, je sais pas. Moi, j'ai tendance à vouloir leur faire confiance aux centaures. En tout cas, à lui. Parce que l'autre, il a l'air bien moins cool. Il y en a qui ont l'air bien moins cool que certains. En tout cas, lui, il avait l'air vraiment, pas méchant, mais on verra bien. On va dire qu'on lui fait confiance. Je ne sais pas, mais j'ai envie de le croire. C'est un centaure, après tout. Moi aussi. C'est dommage qu'il soit parti aussi vite. C'était quoi son nom déjà? Doran? C'est comme ça que le chef du troupeau l'appelait. Eh bien, si Doran sait quelque chose qu'on ignore, autant faire ce qu'il dit et lui poser nos questions plus tard. Je vais me rendre à la bibliothèque et chercher la grotte dont il a parlé. Oh non, ça veut dire qu'on n'aura pas une quête de suite. Je te préviens si je trouve quelque chose. Oh bah flûte, je suis déçu. À chaque fois que tu me fais ça, Poppy. Balance tes quêtes là. Je trouve ça grave stylé, ton aventure là, avec les animaux et tout. Bon, bah c'est pas grave. On sait que Natsai m'avait reparlé. Attendez, il y a un truc d'astronomie là. On va retourner du coup voir Natsai, mais je suis un peu déçu quoi. Connaissant Amit, il est sans doute venu étudier ici. Un peu déçu, moi je voulais faire ça maintenant, mais visiblement non. Alors attendez, faut que je dézoome. Ok, je l'ai. Bah, ah non, je suis pas correctement. Ok, voilà. Oh, trop stylé ça, un dragon. Il y avait du flow. Ah d'ailleurs, normalement, j'ai dû débloquer du coup un nouveau défi là, parce que je suis allé voir un petit peu entre les deux épisodes. Et regardez, déjà, au niveau combat, je suis à 97%. Donc en vrai, il me reste plus que à vaincre quelques trolls et à réaliser encore 3 exploits. Et j'ai fini ça à 100%. Il n'y a que niveau exploration qu'on est quand même assez bas. Ça, j'ai pas récupéré. Très bien. Mais en même temps, ça va se faire aussi au fur et à mesure. Hein. Un ensemble de ballons. Ouais, il manque encore quelques trucs de ballons. Quelques plateformes, quelques épreuves de Merlin. Bah, du coup, constellation, c'était ça, d'accord, l'étape d'astronomie, et après, des secrets de Poudlard. Très bien. Ça va se faire en temps et en heure. Je regarde juste, là, qu'est-ce qu'il me faut Ah oui, c'est les Highlands, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et il me manque encore quelques pages dans les Highlands. Bon, en vrai, on a quand même fait vraiment pas mal de trucs, hein.
Niveau quête aussi, les quêtes de relations, on a quasiment tout fini, il nous en reste pas beaucoup. Quête de scénario, il nous en reste 7, c'est tout. Et après le scénario est fini. Ah, donc ça va, on est vraiment, on arrive vraiment vers la fin, quoi, d'accord. Salle sur demande, améliorer votre équipement 15 fois. Très bien, faites reproduire 10 créatures uniques. Ouais, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas souvent fait et je le ferai juste pour avoir le... Pour avoir le 100%. En tout cas, on est quand même déjà à 80% dans les défis. Et ça, ça fait plaisir. Bref, trêve de bavardage. Allons voir Nati. Nati qui nous attendait à Poudlard, c'est ça? J'aurais demandé à Nati comment elle va depuis que je l'ai aidée, elle et Madame Rab, à s'enfuir du repère de Serpent Cendre. Elle m'avait envoyé un message me disant que j'étais... J'étais populaire à Poudlard, mais bon, ça, je le savais déjà. Quoi qu'il en soit, j'ai des points de talent. Ouais, mais en même temps, j'aimerais bien garder au moins un point pour mettre la maîtrise d'Avada Kedavra. Éliminer un ennemi avec Avada Kedavra élimine tous les ennemis maudits. Ah ouais? Mais attendez, ça va être ultra fort, ça, non? On dit d'autres cibles à chaque lancer réussi. Ouh, ça c'est vraiment bien. Moi je vais vraiment me spécialiser dans le... dans la magie noire en fait. Aristo Momentum a le même effet sur le maléfice. Hein, ouais, Aristo Momentum met le maléfice. Pareil pour le sortilège de repousse tout. Ouais, pour l'instant je vais garder quand même mes derniers points et je... J'aimerais bien apprendre... apprendre Avada Kedavra en fait. Hein. Ça m'arrangerait hein, quand même. Hein. Ok, Natsai, elle est à Poudlard, comme je l'avais prévu. Ah, il y a quelques quêtes secondaires encore ici, sonner la cloche, d'accord, et là, voilà, c'est juste aller voir Natsai, très bien. Allons-y. Bon, en tout cas, déçu de ne pas pouvoir faire tout de suite la quête avec Poppy, mais bon, c'est comme ça. Ça fait déjà deux fois qu'elle nous fait ça, mais waouh, c'est magnifique en fait dans la grande salle. C'est Noël et tout. Il neige. Trop stylé. Ça envoie du pâté en croûte ou quoi? Moi, je trouve que ça envoie du pâté en croûte, en fait. Ah, trop bien. J'adore. Ok, on doit attendre, du coup, que Nati soit là. Ah, je voulais te parler de quelque chose. Comment c'est trop stylé? C'était plus beau de nuit, quand même, mais... Mais ça en jette, hein. Ça en jette. Par contre, ça manque de musique que je trouve ici. Il devrait y avoir une petite musique là. Un truc comme ça, là, qui bouge un peu. Ça irait bien. Par contre, celui qui mange là, bah, c'est qui? C'est le proviseur, en plus. Il a un arbre devant sa tête, quoi. Chiant pour surveiller les élèves. Quand même pas bien pratique. Enfin bref, arrêtons de dire du n'importe quoi et allons voir Nati. Nati, je voulais te parler de quelque chose. Bah, je t'en prie, parle. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on a échappé au serpent cendre. Tu l'ignores sûrement, mais toute l'école parle de toi depuis que tu m'as sauvé. Je me demande comment tout le monde le sait. J'ai tout dit à ma mère. J'espérais qu'elle serait plus clémente si ça venait de moi. Elle a sûrement tout raconté à d'autres professeurs et... Les nouvelles vont vite. Malheureusement, elle n'a pas été aussi clémente que je l'espérais. Elle devrait être fière de toi, son inquiétude est justifiée. Bon, son inquiétude est justifiée en même temps. Il faut dire aussi qu'on a pris beaucoup de risques ces derniers temps. Lorsque les serpents cendres m'ont enfermée et ont menacé de me tuer, j'ai réalisé qu'elle n'avait peut-être pas tort. L'officier Singer a-t-elle fait quelque chose avec les preuves qu'on a fournies? Non. Arlo est plus fort que jamais. Quelqu'un doit l'arrêter. Si l'officier Singer ne le fait pas, alors nous devrons nous en charger. Si quelqu'un avait arrêté les monstres comme lui au Matabeleland, mon père serait encore en vie. Qu'est-ce qui est arrivé à ton père exactement? C'était une belle journée. Ma mère était allée s'occuper d'un voisin malade, alors mon père et moi étions partis galoper dans la savane. Vous galopiez? Ton père aussi était un animagus alors? Il se transformait en majestueuse girafe. Il me transportait sur son dos et je m'accrochais à son cou. Nous étions sur le point de rentrer à la maison
quand nous avons surpris un groupe de bandits qui quittait notre village. L'un d'entre eux m'a aperçu après avoir retiré l'écharpe qui lui couvrait le visage. Il a crié et a dégainé son fusil. Il ne voulait pas que tu le reconnaisses. Exactement. En un instant, mon père a baissé la tête pour me protéger et a été touché. En tombant, mon père a repris sa forme humaine. En voyant cela, les bandits ont pris peur et ont fui. La magie les terrifiait. Et puis, il est mort. Tout est ma faute. Ta faute ? Pourquoi ? Il est mort pour me protéger. Si j'avais été capable de le faire moi-même, il serait encore en vie. Ma mère et moi avons essayé de continuer sans lui, mais la vie là-bas était devenue trop compliquée. Quelques années plus tard, nous avons quitté notre village pour l'Écosse. Ok, tu cherches à venger sa mort. Tu crois pouvoir venger la mort de ton père en éliminant les serpents cendres ? Non, ce n'est pas la vengeance qui m'anime. Mon père ne l'accepterait pas. Ma mère et lui m'ont appris que se battre pour ceux qui ne le peuvent pas est un privilège. Je sais que c'est risqué, mais le jeu en vaut la chandelle. Je suis contente de constater que nous sommes d'accord. Ok, qu'en dit ta mère ? Qu'en dit ta mère de tout ça ? Eh bien, comme tu as pu le constater, elle est très inquiète. C'est une voyante de talent, mais je crois qu'elle ne s'est toujours pas pardonnée de ne pas avoir prévu sa mort. Il lui manque, et à moi aussi. Alors, d'une certaine manière, je pense qu'elle comprend mon envie de lui rendre justice. Mais ça ne lui plaît pas pour autant. Même si elle est voyante, certaines choses sont inévitables, malheureusement. Que penserait de ton père de ce que nous faisons ? Tu crois que ton père approuverait ce qu'on fait en ce moment ? Oh, c'est une bonne question. En théorie, oui. Mais il serait inquiet comme ma mère. Mais je pense qu'il comprendrait mon obstination. Mon père n'avait pas peur de se battre pour la bonne cause, peu importe l'ennemi. Et je pense qu'il aurait été ravi d'apprendre que je n'étais pas seule. Ok. Toutes mes condoléances, Nati. Je n'ose pas imaginer ce que tu as traversé. Ton père semblait exceptionnel. Il l'était. Vraiment extraordinaire. Et merci pour ces mots gentils. Chacun son fardeau. Mon père avait un dicton à ce sujet. Oui, je me souviens. La pluie ne tombe pas que sur un seul toit. Exactement. Bientôt, nous réglerons leur compte au serpent cendre, à commencer par Arlo. Et une fois qu'on en aura terminé avec lui, on s'occupera de Rockwood. Nous faisons des progrès et nous réussirons sans aucun doute. Merci. Très bien. Merci de m'avoir sauvé. Tu mérites tous les compliments que tu as reçus. Revelio. Bah c'est normal, c'est parce que moi je suis une machine en fait. Mais toi non plus, tu n'avais pas de quête pour moi. Malheureusement. Donc aujourd'hui, c'est vraiment du dialogue quoi. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai vu qu'il y avait une petite quête secondaire, juste ici. Donc, allons la prendre. Un élève de Poufsouffle, aperçu dans l'aile d'astronomie, semble contrarié. Peut-être que je peux l'aider. Allons voir si nous pouvons vraiment l'aider, ce cher Poufsouffle. Mais du coup, dommage, les deux quêtes que je pensais qu'il allait avoir des quêtes, il n'y en a pas eu. Donc espérons que celle-ci soit un peu plus intéressante. En tout cas, on verra bien. Quel culot de les avoir enlevés. Evangeline Bartley. Excuse-moi, est-ce que tout va bien ? Non, pas du tout. Nous n'avions plus que deux cloches à remettre avant qu'elle ne décide de tout gâcher. Pardon, mais je ne te suis pas. Qui a tout gâché ? Et quelle cloche ? Le professeur Black a ordonné à Monsieur Moon de retirer les cloches du clocher. Soi-disant qu'elle lui donne la migraine. Ces cloches font partie de Poudlard. Je n'allais quand même pas les laisser faire. Alors j'ai demandé à mon amie Adélaïde de m'aider à les remettre. Nous avons toujours été inséparables. Adélaïde et Evangeline, Adi et Evie. Bref, tout allait bien jusqu'à ce que Black commence à suspecter quelque chose. Et tout à coup, enfreindre les règles la mettait mal à l'aise. Maintenant, je ne peux rien faire. Impossible de dire quelle cloche va où. Pourquoi ? C'est vraiment si important de remettre ces cloches ? Est-ce que c'est vraiment important ? Oui, elles font partie de l'histoire de l'école.
Merlin les entendait sûrement quand il était en retard pour un cours, où elles indiquaient à Ignacia Wildsmith qu'il était l'heure de dîner. Nous ne devons pas altérer l'histoire. Nous sommes censés en être les gardiens. Ouais, après c'est des cloches, hein, c'est pas non plus... Le professeur Black a-t-il vraiment enlevé les cloches pour une migraine? C'est une décision étrange, même pour Black. Enlever les cloches pour une migraine? C'est vrai. C'est peut-être parce qu'elles interrompent ses siestes. Il passe son temps à dormir dans son bureau. Mais j'ai entendu dire que... Tu peux garder un secret? Bien sûr. Eugenia a dit à Holly, qui l'a ensuite dit à Alice, qui me l'a dit. C'est parce que les cloches lui rappellent le jour de son mariage. Ça le met en sueur toutes les heures quand elles sonnent. Mais... Chut. Ouais, ça m'a l'air d'être une belle connerie. Pourquoi ne remets-tu pas les cloches à leur place toute seule? S'il ne reste plus que deux cloches, n'est-il pas facile de connaître la place de chacune? Facile à dire pour toi, mais je n'ai aucune sensibilité musicale. Ma mère dit toujours que même si ma vie en dépendait, je ne pourrais pas chanter juste. Cela n'aurait aucun intérêt de les remettre si elles ne sonnaient pas parfaitement comme avant, par souci d'exactitude historique. Ouais, alors, oui, ton gardien de l'histoire, de toute manière, l'histoire est toujours... toujours faussée, enjolivée ou quoi, donc bon... ce n'est jamais vraiment ce qui s'est réellement passé. Je peux peut-être t'aider, en tout cas, avec les cloches. Je peux peut-être t'aider à remettre les cloches. Vraiment? Ah, ce serait merveilleux. Les cloches sont dans le clocher, juste au-dessus de la salle de musique. Mais j'ai déjà fait tu ça, non? Certainement plus utile qu'Adélaïde. J'ai déjà fait les cloches. Les cloches sont sûrement dans le clocher. Bah oui, j'ai déjà fait. Ah bah flûte! La seule quête qu'on a, je l'ai déjà faite, c'est fou ça! Bon bah Évangeline, je l'ai déjà fait. Les cloches sont de retour, Évangeline. Tu fais honneur à l'école. J'ai hâte de les entendre. Et j'ai hâte que le directeur les entende. J'aimerais bien voir sa tête. Les générations futures ne sauront peut-être pas apprécier ce que tu as fait, mais moi si. Et j'espère que tu peux l'apprécier aussi. Tu n'imagines pas ce que ça représente. Pour moi, c'est fou. C'est fou. On va pas pouvoir faire une seule quête dans cet épisode, c'est dingue. Parce que du coup, je l'avais déjà faite, les cloches. Par contre, à chaque fois... Je reconstitue ma collection de bave-boules, et c'est pas grâce à toi. Ok, donc lui, il se fait engueuler par une beuglante, et elle me crache dessus, là. C'est laquelle? C'est elle, je crois. C'est elle ou c'est l'autre? Oh, une des deux. Parce que j'avais piqué sa collection de bave-boules. En tout cas, c'est super beau en hiver, Poudlard. Hein. Ça a vraiment de la gueule. Bon. En tout cas. Bah, vu qu'on a plus de quêtes... On va faire la quête principale, hein, vu qu'apparemment ça veut pas aujourd'hui. Il m'a pas l'air d'avoir d'autres quêtes secondaires en plus, donc bon, let's go, hein, allons-y. Ça se trouve où? Ça se trouve dehors? Ça se trouve... Ah non, faut que je retombe tout en bas. D'accord. Bah, allons-y. Vu qu'on n'a plus rien à faire, on va continuer la quête principale, hein, finalement. Hein, après tout. On a quand même lancé 3 quêtes aujourd'hui. Enfin, 3 dialogues, quoi. On n'a pas fait une seule quête parce que la seule quête qu'on devait faire, je l'avais déjà faite, quoi. C'est dingue. Enfin, bref. Bah oui, mais même là, on a presque fini. Parce que du coup, on va voir le troisième tableau. Et on va me donner le quatrième. Et après, ça va être fini, quoi. Ravi de vous revoir. Même pas, on l'a déjà faite, celle-là. Donc, on va devoir faire celui-là. Ah bah oui. Bonjour, professeur. J'ai des nouvelles. Les gobelins cherchent quelque chose. Un autre dépôt. Ils ont construit des foreuses pour chercher plus rapidement. Voilà qui est bien étrange. Ces dépôts ressemblent au réceptacle brisé que j'ai trouvé dans le château de Rockwood. En effet, je crains que le temps commence à nous manquer. Regardez la carte. Heureusement, la prochaine épreuve est assez proche. Elle est à Poudlard. Comme vous le savez, j'ai été directrice de mon temps. Mon portrait est accroché dans le bureau du directeur. D'ailleurs, j'étais là quand le professeur Black a été prévenu de votre arrivée. Laissez-moi vous dire que vous m'intriguiez. Attendez, la prochaine épreuve a lieu dans le bureau du directeur? Oui. Je me suis dit que lorsque le moment serait venu, l'occupant de ce bureau pourrait nous aider. Malheureusement, ce directeur ne semble préoccupé que par lui-même.
Vous allez devoir vous introduire dans son bureau en son absence. Je comprends. Très bien. Je trouverai un moyen d'y entrer. Bien. Je vous retrouve dans mon portrait. À plus tard. Ok, donc oui, donc celui-là, on l'avait pas fait, du coup, de portrait. J'avais donc bien raison. J'en étais pas sûr, mais... On va devoir se rendre dans le bureau du professeur Black. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Le professeur Fig saura peut-être quoi faire. Ah! Donc on va devoir d'abord aller parler à Fig. Allons parler à Fig. Pompélope et Pompélope. Hein? Pourquoi j'ai aucune quête? J'attends les hiboux là? Ah ben non. C'est juste que j'ai appuyé trop vite. Bon, bah allons voir Fig. Bah dis donc. Il y aura eu vraiment beaucoup de blabla hein, dans cet épisode. En même temps, c'est normal. Hein. Vu qu'on a fait pas mal de trucs secondaires, bah là, on va avoir plus en plus de quêtes à faire. Truc qui bip. Oh, bonjour monsieur. Apparemment, je peux vous parler. Professeur, auriez-vous un moment pour discuter ? J'ai toujours du temps pour mes élèves. Que puis-je faire pour vous ? Depuis combien de temps enseignez-vous à Poudlard ? Je me demandais depuis combien de temps vous enseignez à Poudlard. Eh bien, cela doit faire 7 bonnes années. Le temps passe vite lorsqu'on s'amuse. C'est essentiel, selon moi. Un esprit passionné, positif et confiant est plus ouvert à la connaissance. Il se peut que certains professeurs ne soient pas de votre avis. Eh bien, nous avons chacun notre propre style, j'imagine. Dans le domaine de l'enseignement, certains pensent que travail acharné et dévouement sont les uniques clés du succès, mais ils oublient les facteurs qui en sont à l'origine. Ceux qui ne comprennent pas l'intérêt de dépenser de l'énergie au bave-boule ne peuvent pas apprécier l'incroyable pouvoir du jeu. Et c'est pour cela que vous enseignez de cette façon. Précisément. Je m'efforce d'être le professeur que j'aurais aimé avoir à l'école. Mon expérience était moins joyeuse. Ok, quel dommage. Je suis navré de l'apprendre, monsieur. Vos années d'études semblent loin d'avoir été idéales. Disons que j'ai reçu une éducation plus traditionnelle. Enfin. Mais assez parlé de moi. C'est vous l'élève maintenant, et ce serait dommage de ne pas en profiter. Je ferai de mon mieux, professeur. Merci pour le conseil. Je vous en prie. Essayez de vous amuser un peu aujourd'hui, d'accord ? Ça m'a l'air d'être vraiment un bon prof, celui-là. J'aime beaucoup Ronen, là. Enfin bref, nous, c'est Fig qu'on était venu voir à la base. Est-ce que j'ai des choses à lui demander, notamment comment rentrer dans le bureau du proviseur, en fait? Parce que sinon, je vais avoir des petits problèmes, en fait. On doit attendre la nuit, comme d'habitude. Bonjour, professeur. J'espère. Professeur Fig, les gardiens m'ont montré l'emplacement de l'épreuve suivante. Quelque chose a changé ? Lodgok et moi avons appris que les gobelins étaient à la recherche d'un autre dépôt, comme celui que nous avons vu dans le château de Rockwood. Et j'ai découvert qu'ils construisaient d'immenses foreuses pour la suite de leurs recherches. Le professeur Fitzgerald semblait très inquiète. Je vois. Visiblement, Ranrock en sait plus que ce que nous pensions. Et, monsieur, ce n'est pas tout. Lodgok connaissait Myriam. Il connaissait Myriam ? Ils se sont rencontrés au château de Rockwood. Elle y menait des recherches. C'est là qu'elle a trouvé le réceptacle du porte-loin. Il s'est pris d'affection pour elle et a décidé de le lui laisser, en dépit des ordres de Ranrock. Je suis sans voix. Elle pouvait vraiment séduire tout le monde. Il faut que j'en sache plus. D'ailleurs, j'aimerais parler à Lodgok directement. Mais pas maintenant. Où a lieu la prochaine épreuve ? Vous n'allez pas me croire, mais elle se trouve dans le bureau du directeur. Incroyable ! D'accord. Vous aurez besoin du mot de passe pour passer devant la gargouille. L'elfe de maison du directeur le connaît. Je connais Scrope, mais je ne sais pas s'il accepterait de me parler. Il est très loyal envers la famille Black. Il l'est. Il vous faudra un déguisement, et j'ai pile ce qu'il vous faut, du polynectar. Vous aurez l'apparence et la voix du professeur Black.
Mais le pollinectar ne nécessite-t-il pas une partie de la personne à laquelle on veut ressembler? Et sa préparation prend très longtemps, non? Si. Alors, comment se fait-il que vous ayez déjà du pollinectar lié au professeur Black? On ne sait jamais quand cela peut s'avérer utile. Disons simplement que j'ai ressenti le besoin d'être prêt à tout après mon voyage infructueux au ministère effectué à sa demande. Bon, le temps presse. Buvez tout et je vous expliquerai la marche à suivre. Comment vous vous sentez? C'est incroyable. Je suis pas prêt d'oublier ce goût. Ma voix, ça va? C'est convaincant. J'ai pris la liberté de métamorphoser votre tenue. Comme je vous l'ai dit, vous devez récupérer le mot de passe auprès de Scrop, qui est quelque part dans le château. Vous devriez chercher le professeur Kogawa. Elle s'est mise en tête de harceler ce pauvre elfe avec le Quidditch dans l'espoir qu'il puisse convaincre Black de changer d'avis. Sans succès jusqu'à présent. Je vois. Mais et si le professeur Black me voit? Je m'occupe de lui. Je vais lui dire qu'un représentant du ministère l'attend après Olar. Ça devrait vous laisser bien assez de temps. Merci, professeur. J'imagine que nous nous retrouverons dans la salle de la carte. C'est assez étrange d'entendre le professeur Black exprimer sa gratitude. On se rejoint là-bas. Reste à trouver l'elfe de maison du directeur. Ouais, parce que, bon, à la base, le polynectar, ce n'est pas possible de modifier sa voix. Hein. Ça permet seulement de prendre l'apparence de quelqu'un, mais non pas sa voix. Hein. Donc, ils ont bien fait de faire le petit truc après, « ma voix, ça va ?» Parce que là, je ne comprenais pas. Professeur, j'espérais vous voir. J'ai affaire, professeur Sharp. J'ai affaire. Bien sûr, monsieur. Seulement, vous m'avez interrogé sur une potion spécifique. Et Ah bon? Ah oui, oui, c'est vrai. Bon, allez-y, Sharp, je n'ai pas de temps à perdre. Mieux vaut ne pas en parler ici, monsieur. qu'est-ce que je dis? C'est à moi d'en juger. Je vous assure, Sharp, vous pouvez parler librement. Très bien, j'ai préparé la potion contre les furoncles que vous vouliez. Je peux la déposer dans votre bureau quand vous voulez. Ah, oui, bien sûr. Oui, inutile de faire tant de mystères. Demandez à un élève de la déposer. Un élève. Très bien, monsieur. Si vous insistez. Absolument. Et merci, Sharp. J'espère que vous en avez préparé assez pour tous mes furoncles. Il nous faut maintenant... Comment dire? J'ai comme l'impression que je vais me faire démasquer, moi, là. Si vous voulez me parler, voyez avec mes secrétaires. Débrouillez-vous. Allez, du vent. Je suis pas du tout doué. Miroir de poche en ivoire. Je me disais bien que j'avais entendu le directeur. Qu'est-ce que tu veux, Gareth? Gareth? Monsieur Weasley, que faites-vous ici? Vous n'avez pas mieux à faire? Oh, professeur, oui, bien sûr. J'aimerais vraiment être ailleurs en ce moment même. Vous avez besoin de moi? Je cherche mon elfe de maison. Vous l'avez sûrement aperçu. Oh, le petit gars a une oreille? Je l'ai vu se diriger vers la grande salle il y a quelques instants. Il parlait de votre incroyable grâce, monsieur. Je vous ai à l'œil, monsieur Weasley. Monsieur Redding, le propriétaire de Honeyduck, m'a dit que certains de ses dards de Billy Wig avaient disparu. Un ingrédient prisé pour les potions, et je n'ignore pas que vous vous targuez d'être un potionniste de talent. Quoi? Mais monsieur, je ne me suis même pas approché de Honeyduck. Bon, ça suffit. Sachez simplement que j'ai des yeux et des oreilles partout. Circulez, monsieur Weasley. Ok, au moins cette fois j'ai été plus convaincant qu'avec, qu'avec le professeur Sharp, hein, mais... Dans la légende. Mais j'ai bien peur que le professeur Sharp, il ait remarqué que, ce n'est pas... n'est pas Black, malheureusement. Bombez le torse, élève de sang pur. L'avenir vous appartient. Bon, par contre, mon perso en fait beaucoup trop. Ici? Qu'est-ce qu'il lui prend? Qu'est-ce qu'il veut, lui, encore? Monsieur Gaunt,
Où croyez-vous aller comme ça? Je vous demande pardon, monsieur. J'étais simplement sur le point de sortir. Alors comme ça, vous prenez un jour de repos. Les élèves ne savent plus travailler de nos jours. Je dois écrire 50 cm sur le dictam et ses applications. J'étais en chemin pour la serre. Ah oui, oui. Avec du pu de bubobulbe, le dictam fait une très bonne pâte à moustache. Oui, une bonne pâte à moustache. Tout va bien, monsieur? Vous ne semblez pas être vous-même. Je vous assure que je vais très bien, Gaunt. Si j'avais besoin d'un diagnostic, je me rendrais à Sainte-Mangouste. Ok, bon, en tout cas, ça a le mérite d'être un peu marrant. Bon, je sais pas si vous avez entendu, parce que c'était très très faible, mais bon. Au mini, s'il parlait un petit peu. Je pourrais vous parler? Je vous cherche, je crois, d'ailleurs. Sachez qu'il n'est pas trop tard pour reconsidérer votre décision concernant le Quidditch. Nous pourrions organiser quelques épreuves et raccourcir un peu la saison. Ce serait mieux que rien. Mais vous oubliez la blessure, Madame Kogawa. Professeur, plus d'un élève a reçu un cognard en pleine tête sur notre terrain. J'ose même dire que ça leur a fait du bien. Ils s'en sont tous remis. Le fait que ce soit arrivé à un élève de sang pur, eh bien, ce n'est pas une raison pour... C'est insensé de considérer que la santé d'un élève est moins importante qu'un jeu ridicule. Un jeu ridicule? Vraiment, vous êtes parfois difficile, monsieur. J'hésite à contacter le département des jeux et sports magiques du ministère. Eh bah faites donc. Mais bonne idée. Je peux vous fournir le parchemin, si vous en avez besoin. Bon, où est mon elfe? Du parchemin? Très bien, alors je vais le faire avec plaisir. Et j'ai aperçu Scrope dans la grande salle. On aurait dit qu'il m'évitait. Je me demande pourquoi. Bonne journée, Madame Kogawa. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un direct? Quand je vois ce qu'on appelle magie en ces lieux, je tremble pour l'avenir du monde des sorciers. Ça me fait marrer. En fait, moi, je veux jouer tout le temps en black, en fait. C'est trop marrant. Pourquoi ça m'indique plus où est... Où est Scrope, là? Elle est dans la grande salle, ok. Mais moi, je sais pas, je connais pas le château par cœur, bande de fous. La grande salle. D'accord. Bon. On a l'air d'être juste là. La grande salle est censée être juste là. Ok, si, c'est bon. Le directeur se dirige par ici. Qu'est-ce que tu veux, Cressida? Miss Broom, un mot, s'il vous plaît. Oh, professeur, quelle surprise. Et mon nom est Bloom. Rappelez-moi votre matière de prédilection, Broom. Les buses approchent à grands pas. Les enchantements, monsieur. Les sortilèges informulés. Je devrais peut-être travailler sur un sortilège pour disparaître. Continuez comme ça, Broom, et bientôt vous serez aussi invisible que votre camarade de 5e année. Invisible, c'est bien le mot. J'ai été victime de ces tentatives d'extorsion. J'ai toujours pas récupéré mon journal. Qu'avez-vous dit, Broom? Rien, monsieur. En parlant d'invisibilité, où est donc passé mon fichu elfe de maison? Ok. Il y a quelque chose qui me paraît. Je sais pas si je fais bien de vraiment parler à tout le monde, parce que du coup, tout le monde se rend compte que je ne suis pas le directeur. J'ai quand même l'impression que ça va me mettre dans la merde, tout ça. Allez, les cirés. Ça va vraiment me mettre dans la merde, je crois. Professeur, il faut que je vous parle. Ouh, Madame Weasley, elle est loin d'être bête. Professeur Black. Ah, Professeur Weasley. Je suis ravi de vous voir. Oui, monsieur. Et puisque vous êtes là, j'aimerais... m'entretenir avec vous au sujet du professeur Fig. Oh, très bien. J'ai décidé de lui donner davantage de latitude dans la gestion de son temps. De latitude, professeur? Est-ce bien raisonnable? Je dois avouer que je m'inquiète pour ses élèves. Il est rarement présent. Il gère des affaires secrètes pour le ministère. Je dois avouer que je m'inquiète bien, il est rarement présent. Et il ne me manque pas. Est-ce que je dis des affaires secrètes ou est-ce que je dis qu'il ne me manque pas? On va dire affaires secrètes. Ah, oui. Il règle pour moi certaines affaires officielles du ministère. Je vois.
Mais si je puis me permettre, je m'interroge sur le temps passé hors du château par notre nouvelle recrue de cinquième année, soi-disant pour le compte du professeur Fig. Des rumeurs inquiétantes circulent à propos de leurs escapades. Cela va d'incursions dans la forêt interdite à des confrontations avec des fidèles de Ranrock et des sbires de Rockwood. Quoi ? Allons donc. Non, mais il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte, professeur. Non, vraiment, il ne faut pas. Oui, je vois. Je vais tenir Fig à l'œil. De votre côté, continuez l'excellent travail que vous faites. Hein. Tout à fait excellent. Merci. Mais je pourrais me pencher sur... Bien. Ce sera tout, Weasley. Je veux dire, professeur Weasley. Bonne journée. Ok, très bien. Donc, ils sont quand même au courant de tout ce que je fais. Hein. Laissez plus de latitude au professeur Fig. Je ne comprendrai jamais cet homme. Ils sont au courant de tout ce que je fais hors du château, quand même. Ouais, oui, on va pouvoir respirer un peu, je crois pas. Hein. Je crois que ça va bien me foutre dans la merde, hein, tout ce que je viens de faire actuellement. Faut pas qu'ils savent que c'est moi, mais ils vont bien finir par le savoir à un moment ou un autre. Hein. Pouvoir admirer l'excellent travail accompli par Scrop. Votre attention, chers élèves. Je décrète par la présente que la grande salle sera désormais décorée des nobles bannières de Serpentard. Je ne répondrai à aucune question aujourd'hui. Ni plus tard, d'ailleurs. Wouah, trop bien! J'ai décoré la grande salle en Serpentard! Faites sa mère! Eh, hey, ça a pas du flow un peu? En Serpentard, là? Voilà, c'est ça. C'est moi qui décide, c'est moi le directeur ici. Hein, Scrope? Hein, c'est vrai. Eh, hey, trop stylé! Bon, Scrope. Scrope? Bonjour, maître. Rappelle-moi le mot de passe de mon bureau. Oh, mais le maître a fait promettre à Scrope de ne le dire à personne, pas même au maître. Tu oses me contredire? Comment oses-tu défier mon autorité? Je devrais te donner une correction digne de ce nom. Oui, monsieur. Bien sûr, monsieur. Scrope vous demande pardon. C'est la devise de la famille Black, maître. Oui. Bien sûr, oui, je... Le maître ne l'a certainement pas oublié. La devise de la famille Black... liée à la pureté du sang? C'est... toujours pur, n'est-ce pas? Presque, maître. Scrope pense que le maître met Scrope à l'épreuve. C'est... toujours pur. Évidemment. Et bien sûr, comme le maître le sait, l'intonation doit être la bonne. Ah, oui, bien sûr. Je t'ordonne de l'énoncer correctement. Oh, le maître sait bien que la diction de Scrope est plus que lamentable. Bon, très bien. Toujours pur. Ce n'est pas tout, Scrope. J'ai confisqué ce répugnant journal à un élève. Il sent le calmar et l'eau de mer. Oh, le journal d'Apollonia. Quelle surprise, maître. Qu'est-ce que Scrope doit faire de ce trésor? Enfin, de ce détritus, bien sûr. Ce que tu veux, Scrope. C'est ton trésor. Maintenant, disparaît. Est-ce que j'ai caché une chaussette dedans? Oh, le polynectar se dissipe. Je ferais mieux d'éviter les regards. C'est ce que j'ai caché une chaussette pour libérer Scrope de l'emprise de Black. Oula, et je fais que de rôter, c'est pas bon ça. Et cours, cours, vite. Vite. Vite, monsieur Black. Là, j'ai l'impression que je vais me détransformer, en fait. Oh, j'arrive juste à temps. Les fesses dissipent. Vite, on se cache. Fig avait raison. J'arrive pas à croire que ça ait marché. Bon, je dois donner le mot de passe à la gargouille, maintenant. Ok. Bon, pas mal intéressant, cette petite quête. Elle était marrante. Bon. En tout cas, dans cet épisode, il y a eu beaucoup de blabla. Et pas beaucoup d'action, donc on espère que dans l'épisode prochain, il y en aura un peu plus, on verra bien. En tout cas, on va devoir s'infiltrer dans le bureau de monsieur Black, donc je pense que ça va être un peu marrant, tout ça. Enfin bref, je pense qu'on s'arrête là pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à activer la cloche. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode.